Names Reborn. Waouh, c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Names Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des péchés ou encore du péché X, le péché qui est relié tout simplement au sexe. Quels sont les péchés les plus pratiqués par les humains et qu'ils ignorent même que ce sont des péchés? Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Essayons de comprendre ça, le terme péché là. Un péché, c'est la chose que Dieu n'aime pas. C'est écrit même dans la parole de Dieu. Ne le fais pas. C'est comme un commandement. C'est comme une loi que toi, tu dois suivre. Tu dois obéir à ce que Dieu t'a dit. Donc, toi, quand tu enfreins à cette loi-là, on dit que tu es en train de pécher, tout simplement. On dit que cet homme est en train de pécher. Tu pèches beaucoup. Voilà. C'est ça, un péché. Et dans la parole de Dieu, on nous a parlé de plusieurs péchés. Mais le péché qui nous intéresse ici, c'est le péché sexuel. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup même des hommes de Dieu, sont confrontés à une même situation. Il s'agit tout simplement du péché X, qui est le péché relié au sexe. C'est quoi la masturbation? Quelqu'un m'a dit? La masturbation, c'est l'autosatisfaction. C'est la façon dont quelqu'un utilise sa main pour s'autosatisfaire, pour se faire plaisir. Ou il utilise un objet quelconque pour se procurer du plaisir. Cette histoire de recherche, cette quête de plaisir, là, du plaisir de la chair, c'est un péché en soi. C'est un péché. Parce que Dieu n'aime pas les personnes qui passent tout le temps à se faire plaisir physiquement. C'est-à-dire, à avoir des rapports sexuels de façon désordonnée. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Et la masturbation qui est là est devenue un instrument utilisé par le monde entier. Tu vois le gars là? Il ne se marie pas, il ne veut pas se marier. Il a 40 ans, il refuse de se marier. Il refuse d'avoir une femme. Quand vous lui posez une question, il dit, oh non, on n'est pas compris. Oh, il a une deuxième femme, il a une femme à la maison chez lui déjà. C'est sa main, parce qu'il utilise sa main là pour se faire les choses. C'est sa main qui est devenue sa femme. Et ça, c'est un péché X. C'est un péché X. Donc, ce péché X là, qui est la masturbation, en premier lieu, la masturbation là, c'est un élément mauvais que nous devons tout simplement laisser. Est-ce que vous comprenez? Tu cherches à te faire plaisir. Si tu as besoin d'avoir le sexe avec une femme, le sexe là, c'est pas là pour rigoler. On ne joue pas avec le sexe. C'est pas un truc qu'on utilise pour, je sais pas. Comment vous l'expliquer? Tu as dit, genre, tu as envie de te faire plaisir comme si tu voulais manger une nourriture, tu manges. On l'utilise pour se reproduire. C'est tout. Quelqu'un va dire, ah! Mais pourquoi? Mais. Si je dis mais pourquoi là, faut va toucher la fille là, tu vas voir ce qui va sortir. Si c'est pas fort, il faut me dire. Ah! Et la masturbation est cet instrument là que beaucoup de personnes utilisent malheureusement. Tu vas voir que dans l'église, les chrétiens sont forts, ils sont puissants, mais il y a un démon encore qui les fatigue. Et c'est le démon qui se trouve derrière le péché de la masturbation. Et ce démon-là est très mauvais. Je sais de quoi je souhaite de vous parler. Et c'est réel. Waouh. Mes frères et sœurs, c'est le moment de nous réveiller et de demander véritablement à Dieu de nous aider. De nous aider dans ce sens-là. Tu vas aller à l'hôpital ou même chez le docteur. Il va te dire que la masturbation n'est pas un péché. De toute façon, quand tu te masturbes, ça te fait du bien. Tu ne vois pas comment tu es beau. Est-ce que tu n'es pas beau? Est-ce que tu ne te sens pas bien à l'aise quand tu te masturbes? Qui ne se sent pas bien à l'aise quand il se masturbe? Mais la parole de Dieu nous dit que c'est un péché. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a des démons qui sont derrière cette histoire. Et ces démons-là,
ils sont là uniquement pour compliquer la vie des humains. Et nous devons vous dire que la masturbation que vous transportez partout là, c'est un péché. Et l'homme se masturbe, et la femme aussi, elle se masturbe. Et l'homme là, on dit que les humains, pour pouvoir faire se masturber, ils vont utiliser n'importe quel produit, n'importe quel savon. Mais pour les femmes là, Dieu seul sait ce qui se passe, mes frères et sœurs. Toi, mais quand tu regardes, tu vois que c'est du sale. Toi, mais tu regardes, tu sais que c'est du sale même, c'est vilain. C'est même pas joli à voir. Tu vois pas que quand tu finis de te masturber, tu as des remords. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je viens de me masturber? J'ai fini, puis je sens que je suis sale comme ça. C'est parce que c'est un péché. Si ton homme de Dieu ne te dit pas que c'est un péché, il doit oublier. Peut-être qu'il ne veut pas te dire. Parce que lui-même aussi, il a des problèmes à ce niveau. Que Dieu nous aide. Voici un autre péché, il est encore qui fatigue les humains. Comme on dit que la masturbation c'est un péché, les humains disent que bon, ok, comme c'est comme ça, nous on va aller se fiancer. Les chrétiens, ils disent que nous on va aller se fiancer. Maintenant, pendant dans les fiançailles, là, on va profiter de cette belle opportunité pour blaguer la fille. Là. C'est-à-dire, l'homme va blaguer la fille, lui mentir à la fille que bon, tu sais, je vais te marier, nous sommes fiancés. Donc nous pouvons avoir les rapports sexuels, ce n'est rien. De toute façon, on peut se tester pour voir si nous sommes forts ou même nous sommes compatibles. C'est un péché! Le diable est en train de parler à la fille là comme ça, vis-à-vis, tu vois, le diable. Et toi, tu ne dis rien. Toi, tu ne dis rien. Tu penses que c'est simple. Mais il est là pour te pousser à pécher. C'est le diable qui est en train de parler. Et le péché que les gens font pendant qu'ils sont fiancés, là, ça c'est la fornication. Vous êtes en train de forniquer. Vous pensez que c'est la blague. Ce n'est pas de la blague. Ça c'est un péché mauvais. Il faut arrêter ça. Il y a une autre personne qui a dit, mais ok, comme tu dis que quand on couche avec les femmes, là, c'est un problème. Donc je vais aller coucher avec un homme. Et il va devenir un pédophile. Ou bien il va faire... du sexe de façon anale. Toutes ces histoires, ce sont des péchés. C'est ce qu'on appelle péché X. C'est interdit. C'est interdit. Et c'est tellement interdit que je pense que on n'a pas besoin de faire des vidéos même pour parler, en parler. Mais comme Dieu nous demande de le faire, on le fait. Parce qu'il y a, encore des personnes qui pensent que c'est de la blague. Il y a des personnes qui pensent que c'est de la blague. Quand tu leur parles, ils te disent: mais quoi? De quoi tu parles? Eh, péché X, partie 2, c'est la partie 2. Ah, bien sûr, bon, c'est vrai, tout ce que tu nous dis, c'est bien. Mais le sexe, toutes ces choses-là, c'est pour nous faire plaisir. C'est pour mon plaisir. C'est pour me faire plaisir. C'est pour me faire plaisir. Ah, ok. Tu penses que c'est... Nous, on a dit que c'est pas pour te faire plaisir. C'est parce que c'est pour te faire plaisir que Dieu l'a créé. Mais pour donner le plaisir à ta femme et pour avoir de beaux enfants. Il ne comment que lorsque tu es marié. Donc si tu n'es pas encore marié, pourquoi tu es fatigué? C'est interdit. Le sexe est interdit aux personnes qui ne sont pas mariées. Et parce qu'à ce niveau-là, nous tous nous sommes maintenant au courant. Si tu ne savais pas, tu as dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Faut te répentir. Comment ça? Répentons-nous, mes frères et sœurs. Répentons-nous. Demandons à Dieu de nous pardonner. Moi-même, là, j'ai péché beaucoup. Hein. Que Dieu me pardonne aussi. Que Dieu nous pardonne, nous tous. Toutes les qui m'y souvent, que Dieu nous pardonne, les frères et sœurs. C'est extraordinaire. Et puis, il y a un autre péché X. Un autre péché qui est lié au sexe. Que beaucoup de personnes pratiquent, même des chrétiens, mais ils pensent que c'est de la blague. Ils pensent que ce n'est pas un péché. Il y a un péché qu'on appelle... Bon, il y a une chose qu'on appelle... la fellation. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la fellation. Cette partie où l'homme prend sa partie génitale pour mettre dans la bouche de la femme comme si c'était une porte. Interdit au moins de 18 ans. Eh, mes frères et sœurs, on a dit ces choses-là. Franchement, c'est grave. Tu vas voir que l'homme, il est marié, il avait sa femme. Mais sa femme, il prend son sexe et il est introduit là où il ne faut pas. Là où on dit, il y a des trous partout là. Lui, il met ça là-bas, dans bouche, dans oreille, dans partout.
ta bouche là, c'est ce qu'on appelle la fellation. Est-ce que Dieu t'a dit que le sexe qu'il a créé là, c'est pour que ça ait contact avec la bouche de ta femme ou bien la bouche de quelqu'un? Ou bien Dieu t'a dit que il n'est pas réfléchi ou bien ne réfléchit pas? Quand toi-même tu regardes les animaux là, est-ce que tu as déjà vu ton chien prendre son truc pour mettre ça dans la gueule d'une chienne? Ce que les animaux ne font même pas là, c'est ce que les humains ont décidé de faire. Et les gens pensent que c'est de la blague, c'est normal. En fait, parce qu'ils ont regardé, ils ont appris ces choses dans les films pornographiques. Donc, ils pensent que c'est normal. C'est un péché. Mon frère et ma soeur, c'est un péché. Moi-même, là, je ne le savais pas. C'est une nuance bonne ici. Nous avons reçu un témoignage d'un ex-sataniste qui nous a expliqué où c'est venu cette histoire de fellation. Il a dit que c'est un péché pour commencer. Et que quand l'homme prend son sexe pour mettre dans la bouche de la femme, l'Esprit de Dieu quitte là. Parce que ça, c'est un péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas supporter ça. Et quand l'Esprit de Dieu quitte, c'est l'Esprit du diable qui vient. Ou des démons qui viennent. Et ce démon-là va venir prendre la place de la femme. Toi, tu vas voir la fille, elle est là. Mais il y a un démon qui est déjà positionné là. Waouh! Et ce démon-là, c'est lui qui va te lécher ton truc. Et toi, si tu seras là. Ah! Je suis content! Je suis à l'aise! Il faut rester là. Tu es à l'aise, non? Quand tu vas finir d'être à l'aise là, et que tu auras fini là, ta lumière qui brille là, le démon l'a déjà pris. Le démon l'a déjà pris cette lumière là, et il est déjà parti. Parce que quand il te fait ça, quand ce processus se met en cours, tout ce qui est en toi comme bénédiction là, comme la chose qui va te permettre d'être béni là, il prend ta chance. Ou bien la grâce de Dieu qu'en toi. Tu vois, voici comment il a dit ça. Moi j'ai pratiqué ça aussi dans le passé. Ça m'a pas fait plaisir. Ou même si ça me faisait plaisir, aujourd'hui ça me fait plus plaisir. Quand j'ai entendu ça, ça m'a pas fait plaisir du tout, ouais. J'ai dit, mais quoi? De quoi tu parles? Hey, mes frères et soeurs, il y a beaucoup de péchés. Et même il y a des femmes qui masturbent leur mari. Carrément, ce sont des péchés X. Tout ça, c'est interdit. Tu prends, si tu veux, après, est-ce que tu as besoin même de te fatiguer même pour ça? Le truc est simple. Ta femme est là. Il faudrait que tout ce que vous faites dans le noir, là, dans votre maison, soit lui conjugal, là, ça soit sain et ça glorifie Dieu. Parce que si ça ne glorifie pas Dieu, ça va forcément glorifier Satan, le diable. Et ça risque de mal tourner parce que Dieu ne sera pas content de vous. Il ne sera pas content de nous à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Ah mais bien sûr que oui! Vous comprenez? Ça, c'est le péché X, c'est la deuxième partie. Nous avons fait une vidéo qui parle du péché X, partie 1. Vous pouvez aller regarder la première partie. La partie numéro 1 est déjà là-bas. Et ça, c'est la partie numéro 2. Nous avons promis la partie numéro 2. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle est là. Donc, préparez-vous pour une autre partie qui va suivre. Franchement, vous serez dépassés d'être étonnés de voir ce que vous allez voir. Franchement, ça va vous étonner, mes frères et soeurs. Soyez prêts parce que ça va être chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes d'accord, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas d'accord, cliquez sur j'aime. Ici, on ne dislike pas. On like toujours. On clique sur j'aime. Et puis, on clique sur s'abonner. Si on n'est pas abonné, on clique sur la cloche pour activer. Et si vous avez quelque chose à dire, réagissez dans les commentaires. Le sexe là, nous tous on aime le sexe. Mais ça aussi, c'est un comportement. Si tu fais ça de façon désordonnée, si tu utilises le sexe avec plusieurs filles, même tromper ta femme, tu ne seras pas étonné un jour que tu te retrouves à l'enfer. Parce qu'à l'enfer là, il y a des démons qui sont là-bas spécialement pour torturer toutes les personnes qui font de la fornication, qui ont le sexe en mariage. Même qui
font de ces trucs bizarres même dans leur foyer. C'est interdit. Évitons. Évitons ça tout simplement. Vous ne voulez pas désobéir à Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, nous tous les humains, nous devons obéir. Le diable, il est vivant. Il va inventer toutes sortes de péchés pour vous piéger. Ne tombez plus dans son piège. Ne tombons plus dans son piège. Ne tombons plus dans son piège. À bon entendeur, bonjour et bienvenue sur notre bande. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce que vous faites. Ce que vous reste à faire, abonnez-vous tout simplement. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Préparez-vous, ça va être chaud. C'est parti. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre bande. En dessous de cette vidéo, c'est tout. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!